Coucou les amis, coucou la famille. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super. Je voulais vous dire quelque chose et je savais pas trop comment vous le dire. Donc, du coup, je fais une vidéo. J'ai un projet depuis plus de 2 ans qui est de partir à Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo. Donc, c'est un trek de 1 700 km. Je pars depuis Arles. Je sais ce que vous devez vous dire là, qu'est-ce qu'il a grossier, il est défoncé, ça va pas bien dans sa tête. Si, ça va très bien, c'est très clair dans ma tête et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et que je vais enfin réaliser. Voilà, ce trek je le fais un peu à ma manière parce que le vrai pèlerinage de Compostelle c'est de partir à pied, sans téléphone, sans carte bleue. Moi je pars à vélo avec mon téléphone, ma carte bleue. Mais je vais quand même me couper un peu du monde. Je vais quand même vous faire. Je vais partager des photos de mon aventure. Mais tout en restant en mode avion. J'enverrai les coordonnées GPS à mes proches. Pour les tenir informés. De ma position. Et de l'avancement de mon aventure. Donc, je me donne 1 mois et demi pour y arriver. Voilà, donc. Comme je vous dis, il y a 1700 km. Ça va pas être facile, mais j'ai la foi et je suis motivé. Je suis même déterminé à atteindre mon objectif. Je compte bivouaquer durant tout ce voyage. Je m'arrêterai à certains gîtes d'étape, mais les 3/4 du temps, je vais bivouaquer. Donc avec mon sac de couchage, mon hamac, mon tarp, mon réchaud. Je pense que ça intéressera pas mal de monde à que je partage des photos, découvrir tout ça, voir un peu du pays. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et me suivre sur ma page Facebook. Et voilà, parce que je compte vous faire un film là-dessus, quoi. Je vous en ferai une petite vidéo pour vous faire un check de l'équipement avec lequel je pars. Car je pars pas avec mon vélo de freeride. Je pars avec un vélo un peu plus roulant parce que je vais manger des bornes, quoi. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que je fais ça, c'est parce que j'en ai besoin. Je le fais pour moi-même. J'ai besoin de me retrouver face à moi-même. Et voilà, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je pense que beaucoup d'entre vous le comprendront. Prenez soin de vous. La vie est trop courte pour la négliger. Voilà, à bientôt les amis. PS!